Aujourd'hui, dans Confession gênante, nous sommes partis à la rencontre de Rémi, dit Abdelhaman. Cet ancien braqueur de banque, escroc et mythomane, s'est converti à l'islam depuis 48 heures. Nous l'accompagnons aujourd'hui, dans son premier ramadan. Oh, assalamu alaikum, rahmatullahi barakatuh, mes frères. Hakim, ça va, la famille, ça va, la famille, ça va. Je voulais vous dire quelque chose de très important. C'est le mois du ramadan, il faut se purifier, éviter les tentations. Toi, tu fermes ta gueule. Éviter les tentations du shaitan, tout ce qui est ostentation, les femmes. Les voitures de luxe, la drogue. Éloignez-vous de tout ça, les frères. Concentrez-vous sur Allah. D'accord. Ok. C'est bon, frérot. Merci. Je finirai donc, avant de reprendre mon chemin, par un proverbe arabe qui vous apportera bénédiction, j'en suis sûr, à la hamdoulilah. Allah, Allah, ya baba. Sidi Mansour, ya baba. Tu sais que c'est une chanson, ça, frérot? N'importe quoi. Je vous laisse avec tout ça. C'était un plaisir, en tout cas, n'oubliez pas d'aller à la mosquée tout à l'heure. Hein, Rémi, t'es en train de t'afficher. Tu vas où, là? Et nous, on veut pas être là-dedans. Mais là, frérot, tu vas où? Faut que t'arrêtes de faire chier les gens, en fait, là. Laisse les gens tranquilles, passe leur ramadan tranquille. Pas du sport. Qu'est-ce que la faim face à la foi? C'est sunna, le sport. Rémi, on mange dans 10 heures, hein. On mange dans 10 heures, là, t'as le temps, frérot. Tranquille. Allah Akbar. J'avais dit, frère. Oh. Oui. Alhamdoulilah. Tu es dans un truc comme ça, tu fais du mal à notre religion, en fait. Tu te rends pas compte. Tu te salues en plus, frère. Et tu te salues toi-même, je suis sûr qu'elle est pas à toi, là. J'ai là-bas, photo. Non, je l'ai piqué au Malien. Merci, les frères. Barakallahu fik. Tamer. Des dates. Les dates, bah. Ils sont juste là tous les jours, grand. Ah, merci beaucoup. Barakallahu fik. Par contre, est-ce que je peux te payer demain, te faire crédit? Bah, je crois pas, non. Et déjà ta mère qui a fait un crédit hier, c'était pas pour de la bouffe. Ah. Allez, donne-moi ça. T'as de la chance, c'est ramadan, je peux... Fils de pute, va. Pardon? Eh, bon ramadan. Astaghfirullah. T'as pas honte de manger en plein ramadan, t'as espèce de couffard, hein? Bah non. Au début, là, je suis de mes régimes. Sale couffard de merde, va. Hein? T'as pas honte? Je suis juif. Mais pourquoi t'as un truc sur la tête, toi? Mais c'est une kippa, connard! Merde. Ah, mais Rémi, qu'est-ce que t'as foutu, là? Putain. Ça va? Désolé, hein. Là, il est complètement con, lui. Ouais, il est fou aussi. Il mélange tout. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Tu veux venir manger à la maison? Non, c'est bon, merci. Non, mais c'est gratuit, hein. Ah bah, ok. Allez.